Elle est l'épouse de l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos et a régné sur l'Espagne aux côtés de ce dernier de 1975 à 2014. Sofía d'Espagne, réputée pour sa poigne de fer, a été filmée alors qu'elle fondait en larmes en plein discours. L'incident s'est déroulé à l'université Camilo José Cela, USJC, de Madrid, ce vendredi 27 octobre. À l'occasion de la nomination du chercheur et scientifique Emilio Lora Tamayo en tant que recteur honoraire à vie, la reine Sofía d'Espagne, qui présidait la cérémonie, a pris la parole. La mère du roi Felipe V d'Espagne reste engagée depuis qu'elle n'est plus souveraine, notamment sur le plan de la recherche médicale, comme le rappelle Point de vue. Alors qu'elle rendait hommage au scientifique Emilio Lora Tamayo, lui adressant ses plus sincères félicitations, la reine Sophie d'Espagne n'a pas pu cacher son émotion, a rapporté El Correo. Au cours de son allocution, la reine Sofía a déclaré « Je n'oublierai jamais les moments que nous avons passés ensemble », essuyant ses larmes, pendant que le public l'applaudissait, a rappelé le média espagnol. Un moment immortalisé sur la toile. Cette scène a été immortalisée devant les caméras. Eugenia Garavani, une journaliste et experte royale espagnole, a posté une vidéo montrant Sophie d'Espagne prononcer le discours en question sur son compte Instagram. En commentaire de celle-ci, elle a ajouté dans un premier temps « Longue vie à la reine Sofía ». La reine Sofía a fondu en larmes, inconsolable, lors de la remise du prix de recteur honoraire de l'université Camilo José Cela. La journaliste a ensuite rappelé que lorsqu'elle était souveraine, l'épouse de l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos avait toujours su assurer son rôle avec sérieux et sang-froid, mais que, malgré son expérience, l'émotion l'avait tout de même gagnée, ce vendredi 27 octobre. Tout au long de sa carrière de monarque, Sofía a su garder le sang-froid qu'exige son rôle institutionnel. Mais après avoir remis le prix à Emilio Lora Tamayo, physicien et ancien président du Conseil national de la recherche espagnol, elle n'a pu retenir ses larmes. Ce moment de vulnérabilité est inhabituel dans toute l'histoire de ses actes et engagements royaux. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Europa Presse. Just me.